Bonjour à toutes et à tous, même milieu et même miette. On se retrouve, et ça fait longtemps déjà, depuis un moment, sur un nouvel épisode de Hell Yeah. Et comme d'habitude, je pompais d'impatience de pouvoir revenir un petit peu jouer sur ce jeu pour la suite. Parce que comme je vous le rappelle, il n'y a qu'un seul fichier de sauvegarde, donc pour que je puisse faire la progression, il faut que je le fasse en votre compagnie, donc voilà. Pour continuer l'aventure, alors là, j'ai été sur l'île avant de tourner et j'ai reçu des cadeaux. Donc voyons voir ça sera un peu comme les vidéos où les gens montrent des caisses sur CSGO. Mais bon, là c'est gratuit et c'est complètement barré, donc ça ressemble vraiment pas à ça. Mais pour faire une genre de comparaison, voilà. Une personnalisation gagnée, essayez pour voir. Vous avez regagné 30 HP, profitez-en. Hein, seulement ça? Je suppose que c'est bien. Et c'est pas genre j'ai gagné 30 HP, non, c'est j'ai regagné de la vie. Bon, ouais, ok. Je pense qu'on vient de là, je suis pas sûr. Ouais. C'est plutôt là-bas qu'on doit aller. Vu que c'est pas encore forgé. Bon alors, elle marche ouais, j'ai l'impression que la hitbox, elle est un peu bizarre. Oula. Un peu dangereux ici. Allez, on fore la lave. Enfin, les blocs de lave. Je sais même plus c'est quoi, ça. Ah oui, c'est le lance-flam que j'ai acheté dans l'épisode d'avant. What? What? Bah attends, j'étais full life. Ah ok, le mec sans pression, il me one shot. Ça va, t'as pas l'impression d'être un peu cheaté, monsieur? Attends, mais le gars il m'a carrément one shot? Ou c'est une idée Non, il m'a bien one shot le gars, on est bien d'accord. Il est où là? C'est quoi ce merdier là en fait? T'as des ennemis qui one shot maintenant? Nouveau. On va faire attention quand même, hein. Ah, attendez, il se passe quoi? Le gars il est plus là? Non, attendez une seconde. C'est bizarre. Mais what? Mais attends, d'où je suis mort? Mais il y avait un ennemi juste là. Je suis pas mort par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, c'est lui. Oui, voilà. Il a dû se déplacer. Ah, par contre, on va changer d'arme. Parce que c'est pas que c'est inefficace, mais quand même. Ouais, non, on va essayer autre chose. Vous savez quoi? On va prendre la Gatling. Eh, il est en train de s'enfuir. Punaise. Ah non, mais d'accord. Heureusement que j'ai réapparaît ici. Ah ouais, mais non, mais là il y a trop de trucs qui te tuent en un coup. Là ça va être du die and retry. Hein. Là je vois même pas pourquoi t'as. À ce niveau là, je vois même pas pourquoi est-ce qu'on a une barre de PV. Parce que là, à partir de maintenant, il y a des trucs. Peu importe ta barre de vie, ils vont te buter. Ah, c'est comme ça. Et le pire, c'est que c'est des ennemis de base. Ouais, mais complètement, quoi. Ils ont pas un peu exagéré, là, au niveau de la programmation des ennemis? Non, parce que c'est loin d'être marrant, ça. On va progresser mètre par mètre, hein.
Avouez que c'est un peu torché quoi. Hein, c'est... il va falloir que je fasse gaffe parce que vu que je connais évidemment pas le jeu, je sais pas quelle créature va me tuer et d'autres non. Ouf, maintenant j'ai peur. maintenant j'ai peur, ouais. Alors, Iki. Wow, mon ventre adore le curry. Celui d'hier soir a été franchement génial, quoi. Qu'est-ce qui est si drôle? Ah, tiens, à propos des monstres. Maintenant que j'y pense. Voilà, il y en a pas mal qu'on doit lire au niveau de la description. Je pense qu'à partir de là, on n'a pas fait. Donc on va le faire. Alors, Vetebrag, Woodrow Settlemyre. Oh, d'accord. Woodrow adorait son boulot d'invocateur de cauchemars chez les enfants. Mais avec les enfants de nos jours, ce sont eux qui lui font peur. Il vient de faire une demande d'asile politique. Tu m'étonnes. Wormclaw, Judson Hook. En tant qu'entraîneur de foot, Judson a toujours considéré la colère comme une énergie. Si vous le trouvez dur avec les lapins, il faut vraiment le voir avec l'équipe des poussins. D'accord. Cuddle. Sterling Hathaway. D'accord. Sterling est un petit était un petit chaton adorable quand il est arrivé en enfer. Mais les gens ne pensent jamais au futur. Et quand il a eu 50 ans, son surnom devint tout de suite moins adapté. Ouais, ok. Probrain, Demetrius Feliciano. Dans certaines circonstances, tuer est la chose la plus sympa à faire. D'accord. Idéotrope, Fidel Rosenberg. D'accord. Ce n'est pas un secret, l'idéotrope adore le miel. Ce truc pense miel, bouge miel, bref, il vit le miel. On aurait retrouvé chez lui des cassettes très personnelles avec des abeilles. Ouh, ah, ça part dans un trip chelou là. Great Idéotrope, Hector Clayman. Peu d'idéotropes vivent assez longtemps pour atteindre leur pleine maturité. Ils sont tellement pénibles qu'ils se font tuer dans les bagarres de bar dès l'âge de 2 ans. Celui-ci était le dernier de son espèce. D'accord. Dadis, Judge Dredge. Enfin, Judge Dredge. Les femelles de cette espèce sont minuscules, donc non. Ce n'est pas un banc de petits poissons. Ce que vous venez de massacrer. C'était un dadis super sexy. D'accord. Koikwa. Lavinia perdue. D'accord. Cette créature au plumage exotique avait un tempérament calme la plupart du temps, n'attaquant que les choses qui dépériaient. Péreillé avec ce qu'elle portait. Genre les lapins avec des chapeaux ridicules. D'accord. Pourquoi il y a des prix sur les monstres? C'est genre... je crois que j'ai déjà posé cette question en plus. Fishbone. Barton Seug. Mais quel intérêt de se servir d'une arme pour refroidir ce poisson monstre? A chaque fois qu'il passe, retirera en douce une de ses arêtes. Bientôt, il n'aura plus que les nageoires. Et le tour sera joué. Ouais. Daisy Bow, Lawanda Tootle. Lawanda était une jolie petite fleur pétillante qui n'avait rien à faire en enfer. Elle a fini ici juste parce qu'elle était insupportable à parler. On s'en fout de ta ferme virtuelle. D'accord. Pluxter, Sylvia Winkle. Ce petit dino a survécu au Titanic, au désastre de Hindenburg. À 2 guerres et à 27 accidents de bus, tramway et métro. Tout ça grâce au pogo stick. Ouais, mon œil. Bellabour, Geoffrey Doudy. Ce mec est si discret qu'on se rappelle même plus quand vous l'avez battu. C'est vraiment arrivé? Il a peut-être eu un bug. Merci de contacter l'équipe de test. Maintenant que j'y pense, on l'a tué ce truc? Ah, je sais pas, faut voir. Mirabilis,
Ah bah c'est vrai, hein. Il suffit juste que je regarde mes vidéos. Octavio Quainon, Horribilis et Mirabilis sont des évolutions de l'espèce Janus. C'est trop tard pour changer de nom. Leur ADN est identique à 99,995%. Mirabilis est quand même capable de démembrer, mais en gardant le sourire. D'accord. Papa Pingouin, Wilfredo Felton. Ce taré l'a bien mérité. Honnêtement, il battait les bébés phoques et autres saloperies. Espérons qu'il pourrisse en... Tiens, c'est vrai ça. Qu'est-ce qui peut bien être pire que l'enfer ? L'hyper-enfer, ça existe ? Samurai Nom. Mum. Odessa Jin. Peu importe votre maîtrise de l'art ninja, si vous déambulez avec un sabre géant, plein de sang, immense et jaune pétant, c'est pas gagné-gagné côté discrétion. Ouais. Horribilis, encore. Lionel Estrada. Vous aussi, vous seriez engagé dans l'armée de mer. Passer toute la vie au fond des toilettes où les humains desservent tout leur détritus, ça donne des envies de meurtre écolo. Tuscake. Jeremia Puddington. Ok. Oh, pour l'amour de Dieu, il voulait juste être gentil, mais espèce de monstre. D'accord. Strangleweed. Triana Bliss. Mon Dieu, ça fait froid dans le dos rien que d'y jeter un coup d'œil. Non. Oui, c'est vrai. On dirait qu'ils ont peint de jolis visages sur les intestins d'un tueur en série. Ok. Tuffer. Miller Howe. Les enfants, voilà ce qui arrive quand vous n'écoutez pas ce que vos parents vous disent. Ok. Waxerbone. Cleveland Wagner. Il se préparait pour une rave partie d'enfer et s'est planté de bus pour se retrouver dans un club de death metal hardcore. Avec son super t-shirt smiley. Oups. D'accord. Deji Makumba. Oh là là, Makumba. Dent Thornton. DJ Makumba était le roi du match-up. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Malheureusement, son CD expérimental de Muset vs Dubstep vs Eurodance ne lui a pas apporté la gloire escomptée. Vomicat. Oh non, sérieux. Britney Guevara. Ça fait de la peine de voir un danseur de hula hoop avec des problèmes psychomoteurs. Au moins, ses souffrances sont abrégées. Ouais. D'accord. Natachat. Natacha Lala. Calmos, les gars. Elle est dans l'autre camp. Plus précisément, les camps des créatures qui préfèrent les filles. Et qui... Oh, ça va, on a compris. Allez, finissez cette histoire vous-même. Marcelo. Et Bonnie Lumber. Le seul côté positif, quand on se fait dévorer par un Marcelo, c'est qu'on éprouve une sorte de chatouillement agréable grâce au boa tout doux. Le truc bleu. Ce qui distrait de l'agonie. Tu parles. Glitter Ball, Quincy Romero. Gros fan d'ABBA. Oh là 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 là. Sa chanson préférée était un titre inconnu de la face B de leur deuxième album Waterloo. Mais vous ne savez pas ce que c'est une face B, sale jeune. Gamer. Namba Logan Riddle. Danse préférée, la samba. Chanson préférée, la bamba. Serpent préféré, le black mamba. Et expression préférée, kalamba. Ok. Dragon Bolt. Esmeralda Calata. D'accord. Ancien agent immobilier, toujours à mettre de l'ambiance dans les soirées. Elle prend parfois les gens en privé pour refourguer sa cuisine relou en colocation. C'est à ce moment qu'il faut partir. Dr. Byte, Cassius Windham. À l'aide d'un bouton, Dr. Byte pouvait se transformer en puissante locomotive. Mais les nouveaux formats de robots transformables sont arrivés, et les gamins l'ont laissé à la cave. Tu m'étonnes. Très bien, donc maintenant que nous avions fini de lire ce petit résumé des monstres que j'aoule, Dieu merci. Hey, mais il m'a vraiment pas fait mal en fait.
Il fait vraiment pas... Lui par contre il fait mal. J'ai pas l'air de... lui faire de dégâts en fait. Alors où est qu'il est le vilain? Alors... Oh non non non. Bah oui mais ça c'est relou. C'est complètement relou ça comme truc. Ouf, j'ai eu sa corne, ça fonctionne. Ok, du coup. Ah ouais, lui c'est un monstre, d'accord. Et il m'a shot. Mais attendez, ça vient pas de sauvegarder là? Ah si, voilà, il me semblait bien. Ouais bon. Pas la peine de gangbang non plus. Ça par contre, ça one shot si je dis pas de conneries. Non, lui aussi il one shot. Eh ben, je comprends pourquoi maintenant sur le jeu Steam du jeu, enfin dans les succès Steam du jeu. What? Ah mais c'est sérieux là? Je comprends pourquoi dans les succès de ce jeu il y a un succès qui s'appelle le jour de la marmotte où il faut mourir 100 fois pour avoir le succès. Tu m'étonnes. Non mais sérieux quoi? Les trucs, même les mini-ci, elles me font pas autant de dégâts. Bah cool, on va récupérer les étoiles qu'on a tuées, bizarrement. Oh là là, on l'a loupé. Ça marche? Ah, ça marche. D'accord. Bon bah le jeu a été sympa avec nous. Il est mort à cause de l'inflation. Voilà. C'est une mort ridicule, mais en y repensant, ça doit pas faire du bien. Je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui aiment ça. Ça leur est pas arrivé un jour à ces personnes-là de se dire bordel, qu'est-ce que ça doit faire punaise de mal si on m'injectait de l'air à mon péter le bide. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a ce genre de kiff sur internet. Du mal à comprendre. Mais bon, je suis le genre de personne à être. Compréhensif, même de voir ce genre de truc. Bon après il y a des limites à la compréhensivité hein. Je vais pas me mettre à être compréhensif avec les personnes qui veulent faire la guerre. Et je veux dire, les mecs qui ont des tripes chelous, bah ça me regarde pas, ça me regarde eux. Mais juste pour que j'essaye de comprendre, juste comme ça je me pose la question. J'ai rien contre ces personnes, mais je me pose encore la question. Alors, où qu'il est le vilain pas beau? Ouf! Non! J'ai pas compris ce qu'il fallait faire! Oh non! Mais c'est... immonde! C'est sérieux les PV que ça me remet là? J'ai que dalle! Laisse-moi tranquille, toi. Oh, sérieux, il faut que je recreuse. Allez, on creuse. Oh, pitié. Pourquoi il n'y a pas un truc pour me régénérer de la vie? Sérieux?
que là, ça va quand même être hardcore, j'ai envie de dire. Non, mais il y a bien un moyen. Déjà, on va éviter les attaques. Merde! C'est pas gagné, hein. Ouais, génial! Oh là 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 là. J'aime pas ça du tout. Clairement. Ça s'annonce mal. Y'a pas un punaise d'endroit pour se régénérer? Sérieux? La barre de vie, elle sert quasiment à rien. Les monstres, maintenant, ils me font hyper mal. J'ai manqué un truc, je sais pas, de la défense. Ah, parce que clairement, c'est ce que je manque. Hein. De la défense, j'en ai pas du tout. Hein. Quelque chose à dire pour votre défense? Monsieur, non, je n'ai aucune répartie. Mais merde! Oh non, sérieux! Bon, lui, on va l'éviter. Je crois que ce sera le mieux à faire. Parce que clairement, si je continue comme ça, je vais perdre mon temps pour rien. Et ce let's play n'est pas fait pour vous montrer des choses les mêmes choses 5 fois d'affilée. Donc on va repasser une dernière fois et on va prier pour que ça se passe bien. Sinon, il y a toujours une ellipse qui est possible. Ok. Ah mon dieu, ça traverse. Il y a quoi de ce côté? Ah, hé. Je crois que je l'avais pas vu, lui. What? Eh, mais ils sont sérieux? What? Mais pourquoi il y a ces trucs? Je comprends pas, là. Il se passe quoi? Je suis mort, voilà, je suis mort sur des pics, génial. Bon, petite ellipse, parce que là, quand même, faut pas exagérer. Tu ne détestes pas les savants fous? Ces savants fous? Il suffit de perdre une partie de poker et paf, t'es une chauve-souris avec une tête de chat. J'ai failli mourir. Je suis arrivé dans cet endroit. Et il y avait ce type bizarre, alors il y avait du coup un dialogue. Mais attends, il est pas là? Ici, il est là. On va essayer de l'avoir. Attends, je peux pas l'atteindre. Ah voilà. Ah, ça c'est fait. Un monstre en moins déjà de fini. Oula, c'est plus violent que d'habitude. Ok, sauf que là, ça m'a sauvegardé avec toute ma vie d'enlever. Mais oui, mettez-moi encore plein de ces ennemis-là. Il en faut plus. Waouh, le méga saut que je viens de faire. Allez, allez, allez. Allez, hop. Ah bah non, non, c'est le niveau du dessus. Suis-je bait? Reviens là, ici.
Mais elle était là. Oh là là. Faut prendre le chou cette histoire. Ah bah voilà. Très bien alors. Ah non, c'est pas du tout par là en fait. Bon, re-ellipse. Ah oui, donc voilà, c'est à ça que servait le bouton vert. Je vous montre. D'abord, faut qu'on enlève le passage. Non, dégage. Ensuite, il va passer. Vite, vite, monte. Il devrait avoir aucun mal à nous rejoindre. Viens par ici, mon loulou. Ah oui, merci, il peut pas bouger encore. On va te débarrasser du mur. Et il peut pas encore venir. Allez, viens par ici, maintenant tu devrais pouvoir passer. Ah non, même pas. Ah là là, fichu mur. Ouais, donc en fait, il fallait faire couler le truc dessus. Re-ellipse. Voilà, c'en est fini de lui. Il me fallut au moins 2 essais. Très bien, alors ça c'est fait. Au suivant, l'aile. Le revers du piège sur ma tronche. Tout à fait génial. Mais au moins la voie est libre. Avec ces punaises de scie, on en refait Paris. Quoi? Attendez, je l'ai pas battu l'autre zozo là. Qu'est-ce qu'ils me font? Il me manque un truc, attendez, c'est quoi ce délire? What? Je vais arrêter de me prendre les... Punaise! Non mais attendez, il me manque un truc là. Pourquoi c'est ouvert ici? Les gemmes sont pris et tout. Eh ben, font pas très mal ces balles. Hein. Ce coup-ci, tu... Merde! Il m'a eu. C'est pas vrai! Des juices! Je me suis trompé de bouton! Voilà! C'est ça qui arrive quand on a toujours été habitué aux bonnes vieilles manettes Xbox. Enfin, GameCube, plutôt. On se trompe de touche! Je dirais plus les contrôles sur Game Boy Advance, parce que sur Game Boy. Shit. Ouais. Hop, hop, hop. Vous m'emmerdez pas avec vos merdes là. Mais vraiment pas. Attends une seconde là, je suis censé. Ouais, c'est là. Ouais, bon, d'accord, ok. Ok, c'est bon. Ok, il fallait juste que je prenne mon temps. Très efficace.
Donc, maintenant, si je comprends bien, la porte qui est là-bas va s'ouvrir. Voilà, enfin. On va pouvoir quitter ce niveau, qui j'espère ne sera pas le pire, parce que quand même... Il a bien été relou à un moment. Bon, je vous avoue, il y a d'autres niveaux avant lui qui ont été relous également. Mais bon, faut bien que le jeu devienne difficile avec le temps. Il y a de nouveaux trucs dans la zone 7. Frisson, aventure, et peut-être des photos. C'est parti. Ok, téléporteur. Donc c'est parti. C'est quelle zone déjà? Je me souviens plus. Je vois pas très bien. En tout cas, ça va être une zone sans notre armement. C'est embêtant. Ok. Toujours est-il que nous sommes à 137 de vie dans une zone qui va être visiblement assez hardcore. Donc n'hésitez pas, l'épisode est fini, au passage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Ou à ne rien faire aussi. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, mes minous.